Donc, je tiens à saluer tout le monde et ceux qui nous suivent aussi sur Internet. Que Dieu puisse vous bénir là où vous êtes et que Dieu puisse rencontrer vos besoins, mais que ça soit plus vivant qu'une simple parole, mais que vraiment le Saint-Esprit puisse vous toucher ce matin. Que le Saint-Esprit puisse vous toucher, vous remplir, vous donner ce que vous avez besoin. Vous savez, il y a un verset qui dit, je vais vous le dire tout de suite, c'est mon dernier verset. Dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 20, où l'apôtre Paul dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Et on se doit, comme enfant de Dieu, vivant, de croire que Dieu veut plus que des paroles, bien que l'enseignement est bon, la connaissance est bon, on en a besoin, et Dieu veut qu'on grandisse dans la connaissance, mais aussi qu'on aspire à ce royaume de puissance dans nos vies, et la puissance de Dieu dans nos vies. Le titre du message ce matin, c'est « Sa puissance glorieuse ». Sa puissance glorieuse dans ma vie, dans mon église, dans ma ville, dans mon foyer, la puissance glorieuse du Seigneur, c'est notre désir. Alléluia. La semaine passée, on a vu un verset, une parole de Jésus dans Jean 18, verset 37, où Jésus disait à Pilate, « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité qui est en lui, la vérité sur Dieu, du Père, la vérité sur le ciel, l'enfer. » La vérité sur l'amour de Dieu. La vérité. Et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Écoute la voix de Jésus. Écoute la voix de la vérité. Et par le Saint-Esprit, cette vérité trouve place dans son cœur, dans ses pensées, dans ses actions. Ça devient vivant. Le jour où on s'est donné au Seigneur Jésus par son Saint-Esprit, on a commencé à gober ou à avaler, à se nourrir de cette parole de vérité et à marcher selon cette parole. On recevait, après que Jésus, le Saint-Esprit, ait fait sa demeure en nous, la Bible, c'était autre chose. C'était la parole de Dieu. C'était la parole de Dieu qui est esprit et vie et elle conduisait nos vies. C'était notre désir. On a tout avantage à désirer entendre la voix de Dieu, mais à la mettre en pratique aussi, à faire tout ce qu'il nous demande de faire. On doit marcher selon sa voix pour récolter ces bénédictions qu'il veut nous accorder par grâce. On vient de le chanter, hein, la puissance de Dieu, comment Dieu veut nous donner, Dieu veut prendre soin de nous, Dieu veut veiller sur nous. Des superbes de chants. Et je regardais certaines paroles d'un nouveau chant qu'on n'avait jamais chanté, je me disais, c'est le message. C'est le message ce matin au travers de ces paroles qui sont prononcées, au travers de cette louange qu'on fait monter vers Dieu, mais aussi c'est un cri du cœur de vouloir recevoir de notre Dieu ce qu'il a pour nous. On a tout avantage à chercher la vérité et à la recevoir, la vérité qui nous rend libre, la vérité qui nous conduit chaque jour, la vérité qui nous donne sagesse dans ce monde et face à toutes les décisions ou tout ce qu'on a à faire, les choix qu'on a à faire dans cette vie. Merci Seigneur pour ta parole. C'est toute une force pour l'enfant de Dieu, la parole, la Bible. Et par l'Esprit, la rend vivante à nos vies, puis nous conduit par cette parole. Merci Seigneur. Au début de son règne, Dieu demanda à Salomon, le fils de David, celui qui l'a succédé, puis a construit le temple par la suite. Dieu a demandé à Salomon dans 2 Chroniques, livre de 2 Chroniques, chapitre 1, verset 7, « Pendant la nuit, il s'est révélé à lui. Il est apparu à Salomon, lui a posé une question. » Cette affirmation qui dit « Demande, demande ce que tu veux et je te le donne. » Demande ce que tu veux et je te le donne. Si Jésus ou Dieu vous apparaissait cette nuit et vous posait ou vous disait la même chose, « Demande ce que tu veux puis je te le donne. » N'avez-vous des choses? « Demande ce que tu veux et je te le donne. » Mais je pense que si Dieu a permis ou a demandé à Salomon de lui dire tout ce qu'il voulait puis qu'il allait lui donner, je pense qu'il connaissait son cœur. Il connaissait le cœur de Salomon et possiblement la réponse aussi. Hein? Parfois, nos désirs ne sont pas nécessairement tout ce qui est bon pour nous. Mais Dieu sait ce qui est le meilleur pour nous.
accorde-moi la sagesse, a demandé Salomon, et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple et qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand. Seigneur, mon désir, c'est faire ta volonté, c'est te servir, c'est diriger, conduire ton peuple avec toute la sagesse que tu peux me donner. Et on sait que par la suite, Dieu lui a tout donné. Il lui a donné la sagesse, l'intelligence, il lui a donné la richesse et la gloire. Il n'y a pas eu un roi comme Salomon. Il n'y a pas une gloire aussi grande que Dieu a permis qu'un homme puisse avoir une richesse aussi grande, mais une intelligence aussi, une sagesse aussi grande. C'est sûr que d'avoir la sagesse de Dieu produite en nous par le Saint-Esprit, c'est toute une force. La sagesse, l'intelligence de Dieu, c'est toute une aide dans notre vie. C'est toute une aide dans notre vie pour qu'on puisse avoir tout ce qu'on a besoin. Ça nous ouvre la porte aux promesses de Dieu. De marcher dans ses voies. La crainte de l'Éternel, le début de la sagesse. Et si on a la crainte de l'Éternel, on va vouloir marcher dans ses voies, on va saisir, recevoir, garder sa parole. Et bien sûr, le reste va nous être donné en plus par sa force, son intelligence, sa sagesse. On augmente nos capacités humainement. On augmente nos capacités spirituellement par son esprit. Merci Seigneur pour ces capacités qu'on a aujourd'hui de comprendre ta parole parce qu'on a... on ne la comprenait pas avant, de saisir l'œuvre de la croix. Parce qu'avant de se convertir, on ne saisissait pas pourquoi le sang, pourquoi le temps de souffrance, pourquoi Jésus est mort, pourquoi Dieu a tant aimé le monde qu'il a fallu qu'il envoie son propre fils mourir sur une croix. Mais lorsque l'Esprit vient en nous, on saisit cette réalité, cette vérité-là. C'est pour ça qu'on se fait baptiser. On meurt avec Christ afin de revenir en nouveauté de vie. On saisit, c'est par l'Esprit de Dieu. C'est l'intelligence spirituelle que Dieu nous... Il augmente nos limites humaines. Paul disait dans Colossiens 2:10, « Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination, de toute autorité. » On a tout pleinement en lui. Tout est possible à celui qui croit. Une parole qu'on a vue aussi la semaine passée. Son esprit nous conduit. Son esprit veut nous conduire dans tous les choix qu'on a à faire, tous les chemins qui se placent devant nous. On a besoin de prendre le bon, de saisir la bonne voie comme on l'a vu les dernières fois. L'Esprit de Dieu nous équipe. On a parlé beaucoup des armes du chrétien les dernières fois. On va en reparler possiblement une dernière fois, la prochaine fois que je vais apporter la parole. Mais il nous donne les armes et la force qu'on a besoin pour marcher dans cette mission qu'il nous a confiée, de répandre la bonne nouvelle, d'annoncer la bonne nouvelle et de former des disciples par son esprit, par sa puissance glorieuse, il nous fortifie. Il nous en donne la force. Il nous donne la force devant tous les défis qui sont devant nous. Tout ce qui se présente, qui voudrait nous nuire pour qu'on puisse avancer et marcher dans ses promesses comme un enfant de Dieu. Il nous donne le pouvoir de marcher dans ses voies. Il y a bien des choses qui cherchent à ralentir notre marche avec le Seigneur, mais l'Esprit de Dieu nous donne la sagesse et tout ce qu'on a besoin pour courir vers le but. Amen. La semaine passée, on a vu cette vérité qui est sortie de la bouche de Jésus. Tout est possible à celui qui croit dans Marc 9, verset 23. Une parole à un père qui demandait secours auprès de Jésus pour son fils qui était possédé, si vous vous souvenez. Et bien sûr, le Père avait besoin de la puissance de Dieu pour délivrer son fils, mais il a besoin aussi du secours de Dieu pour son incrédulité face à la situation dont on a parlé la semaine passée. Et je ne veux pas revenir là-dessus, mais ce serait bon de l'écouter si vous ne l'avez pas écouté. Mais ce Dieu-là qui est le Tout-Puissant est le même pour nous aujourd'hui. Et on a besoin de lui. On a besoin de lui. On a besoin que notre foi soit en lui. On a besoin d'avoir une foi inébranlable dans cette vérité qui est en Jésus, qui sort de la bouche de Jésus, y compris toutes les autres paroles, toutes les autres promesses qu'il nous a données. Mais on a besoin de se reposer sur lui pour recevoir le secours dans tous nos besoins, d'être fortifié par la foi. Comme Paul le disait en parlant d'Abraham, le père de la foi, que lui aussi, dans Romains 4, 20, dit qu'il a été fortifié par la foi. Verset 20, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse. Et on pourrait dire au sujet des promesses de Dieu pour nous, dont celle de son retour. On a parlé même d'un chant, je trouvais ça bon, parler du retour de Jésus.
Il a le pouvoir d'accomplir tout ce qu'il dit, tout ce qu'il promet. Alléluia. Au sujet de la promesse, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Hey, on a le goût de connaître les promesses de Dieu parce qu'on sait qu'il peut les accomplir. Pourquoi pas les réclamer? Hein, Seigneur, je veux marcher dans tes promesses. Ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir, que ce soit pour nos vies personnelles, pour son Église, son œuvre dans cette ville, dans ce pays aussi, mais également son retour. Conviction, conviction. Comme le Père, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité si parfois le doute frappe à ma porte. Viens au secours de mon incrédulité parce que je ne veux pas douter, je veux avoir la pleine conviction que tout ce qui est écrit, tu peux l'accomplir pour ma vie, pour les autres, peu importe. Je vais avoir toujours cette pleine conviction comme Abraham. Abraham, il a eu ses hauts, ses bas aussi, on le sait. Ça nous rassure aussi parce qu'il était humain comme nous. Mais à quelque part, dans la Bible, il est écrit qu'il y avait une foi pour croire les promesses de Dieu comme nous aussi. Et lorsqu'on tombe ou lorsqu'on le doute vient, on crie à Dieu pour qu'on puisse se relever et que ce doute puisse être anéanti au nom de Jésus, que la vérité règne en nous, qu'on puisse marcher selon sa parole, avoir une pleine conviction pour les miracles, les actes de puissance de Dieu, les interventions, peu importe l'intervention de Dieu en notre faveur, pour combler tous nos besoins, on veut croire. Mais aussi, on veut recevoir direction, sagesse, parce qu'on en a tellement besoin aujourd'hui, pour marcher dans la foi, dans ces voies qu'on connaît. On ne connaît pas tout l'avenir. Comme Abraham, il est parti sans savoir où il allait. Parfois, on marche, on fait des pas de foi sans savoir la suite, sans savoir où Dieu nous conduit. Ceux qui ont quitté leur pays pour venir au Québec, c'est un peu comme ça aussi. On fait un pas de foi, on va s'établir, puis advienne que pourra, ma vie est dans les mains du Seigneur. Hein, puis on sait qu'il va pourvoir nos besoins, puis à quelque part, il va faire en sorte qu'on soit une bénédiction là où Dieu nous conduit. Merci Seigneur, mais c'est dans tous les choix, les décisions qu'on a à prendre, on a besoin vraiment de la direction de Dieu pour marcher dans la foi avec patience et persévérance en lui, par lui, comme Abraham. Comme Abraham, il est le berger qui nous conduit afin qu'on ne manque de rien. Alléluia. Dieu vient à notre secours quand c'est difficile. Dieu est là en tout temps. Quand c'est difficile, en plus, il vient à notre secours. On lui demande secours. Mais aussi, il va nous donner sagesse, il va nous donner conseil, intelligence pour ne pas se trouver dans des épreuves ou dans des difficultés ou dans des problèmes ou qu'on se retrouve dans le besoin. Puis là, on crie « Seigneur, au secours! » Mais dans le fond, si on avait suivi les conseils de Dieu, on ne se serait pas rendu jusqu'au point où on crie au secours. Mais Dieu va au-delà, oui, il veut combler nos besoins. Il va nous relever si on tombe, mais il veut nous empêcher de tomber, qu'on paye le prix, qu'on ait la douleur de se frapper le nez sur un mur, de tomber dans un trou, mais plutôt le contourner par sa sagesse. Que Dieu nous donne sa sagesse. Alléluia. Qu'on marche dans ses promesses. Mais aussi de vivre de l'opposition, des difficultés, ne veut pas toujours dire qu'on ne marche pas dans la volonté de Dieu. Il y a des épreuves dans la vie du chrétien. On marche, on veut faire la volonté de Dieu. Et parfois, il y a de l'opposition, parfois, il y a des difficultés au travers desquelles Dieu fait grandir notre foi comme son peuple qui traversait le désert vers la terre promise. Dieu a éprouvé leur foi pour qu'ils puissent avoir cette foi en lui, dans sa puissance, pour être capable de vaincre et s'emparer de la terre promise, pour la garder également. Mais Dieu fait ça avec nous aussi. Parfois, il y a des temps difficiles, même si on est dans la volonté de Dieu. Et on doit s'appuyer sur sa puissance. Néhémie, c'est un bon exemple qu'on a vu les dernières semaines. Néhémie est le peuple qui devait combattre pour faire la volonté de Dieu, pour persévérer dans la volonté de Dieu et construire la muraille de Jérusalem. Il était dans le plan parfait de Dieu, mais il avait besoin de combattre, il avait besoin de veiller, il avait besoin de la sagesse de Dieu. Combien de fois Néhémie s'est retrouvé dans la présence de Dieu pour demander son aide. On l'a vu plusieurs fois, on va le voir une autre fois aujourd'hui avec une prière bien simple, celle qu'on a besoin de faire pour chacune de nos vies. Il était dans le plan de Dieu. Il avait besoin de la sagesse de Dieu pour prendre les bonnes décisions. Parce que parfois, les décisions
qu'il y avait à prendre, c'était pas clair, c'était pas évident. On n'a pas toujours des décisions noires et blancs. Oui, non. Oui, c'est peut-être que. C'est jamais noir et blanc. Il y a des décisions où on ne connaît pas l'avenir, mais on a besoin de se fier sur Dieu, que lui connaît l'avenir. Donne-moi ta sagesse, Seigneur, dans cette situation qui me paraît correcte, mais j'ai besoin d'avoir ta sagesse. Que ferais-tu, Seigneur, avec ça? Mais Néhémie se retrouvait dans des situations où ce n'était pas toujours clair, facile à discerner, mais il avait besoin de l'aide de Dieu. Il y a eu toutes sortes d'invitations pour le détourner de continuer, de persévérer à construire la muraille. Toutes sortes de propositions qui sont venues pour essayer de le distraire. Il y a eu des mauvais conseils aussi de certaines personnes qui voulaient utiliser la peur, la crainte pour le faire pécher, puis nuire à son témoignage aussi. Mais Néhémie, dans tout ça, il fallait qu'il voie un coup d'avance, et c'est Dieu qui lui donnait. On doit se fier aux capacités que l'Esprit nous donne, la sagesse que nous communique la parole de Dieu. Et on doit se fier sur lui, Seigneur, fortifie-moi, donne-moi ce que j'ai besoin aujourd'hui pour prendre les bonnes décisions. Merci, Seigneur. Néhémie était même poussé, c'est comme, on va le voir peut-être la prochaine fois, poussé au compromis. Les gens l'ont poussé au compromis, puis il avait besoin de voir clair aussi. Dans Néhémie 6, on va regarder l'histoire rapidement, ce petit bout-là, du moins, de Néhémie 6, où les personnages influents qu'on a nommés plusieurs fois depuis le début, Sanballat et Geshem, les gens qui étaient contre le projet de Néhémie de construire la muraille pour que le peuple puisse reprendre sa place en Dieu. Ces gens-là envoyèrent un message en disant « Viens et ayons ensemble une entrevue dans le village de la vallée d'Ono. » Et à première vue, viens, on va voir un entretien. Il semble pas avoir quelque chose de mal dans ça. On va discuter, on n'est pas d'accord, mais on va discuter. Mais on sait que parfois, il y a des discussions qui ne vaut même pas la peine d'être faites, parce que ça ne changera pas la vie d'un de l'autre. Mais tu ne peux pas le savoir, c'est Dieu qui donne la sagesse, le discernement, et on le sent parfois, parce qu'on se retrouve dans des débats qui nous font perdre notre paix parfois, puis que ça ne donne rien d'avancer. Avez-vous déjà eu des débats avec certains gens d'une autre religion, ou certains membres influents, ou des scientifiques, ou peu importe, ceux qui défendent l'évolution, la création, puis on essaie, puis parfois, là, on perd du temps. Conduis-nous, Seigneur, que les paroles qu'on dit viennent de ta part aussi, mais conduis-nous, Seigneur. On a besoin de ta sagesse au travers de tout ça pour ne pas investir ou tirer nos perles au pourceau, comme le Seigneur le disait. Mais ces gens-là, Néhémie n'est pas allé, mais ces gens-là avaient médité de lui faire du mal, comme nous dit le verset 2. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. « J'ai un grand ouvrage à exécuter, je ne puis descendre, le travail sera interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Je n'ai pas de temps et d'énergie à perdre pour aller m'astiner avec toi pour quelque chose que je pense que tu ne changeras pas d'idée, d'avis. » Il faut témoigner, il faut parler par l'Esprit de Dieu, des paroles que Dieu met sur notre cœur pour que les gens puissent se donner au Seigneur. Mais parfois, il faut juste se dire, il faut que je me concentre, j'ai des priorités dans ma vie, c'est de servir le Seigneur ou d'aller témoigner à quelqu'un d'autre que d'aller m'astiner pendant une soirée avec quelqu'un que je ne pense pas que, tu sais, mais comment on fait pour savoir? Dieu sauve ceux, les gens les plus rebelles. Comment on fait pour savoir si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu? Seigneur, que ferais-tu? Ça vaut-tu la peine? Donne-moi ta paix ou enlève ta paix pour que... On demande d'être fortifié dans le Seigneur pour savoir, comme Néhémie, quoi faire. Et Néhémie a su quoi faire. Il y a un travail important parce que 4 fois, ils ont fait la même demande. Viens, Néhémie, on va parler. Il aurait pu décider aussi de dire, c'est ça, je vais y aller, puis je vais être débarrassé après, puis je vais passer à autre chose. Mais au travers de cette rencontre, il avait idée de lui faire du mal. Juste Dieu qui savait ça. Puis il devait s'en douter aussi. On remarque que ce n'est pas la première menace qu'il recevait de ces gens-là. Mais j'ai un travail important à faire. Je ne peux pas y aller, j'ai des priorités. Derrière ça, il n'y avait pas des bonnes intentions pour Néhémie et pour
le peuple. Sambalam envoya ce message une cinquième fois, nous dit le texte au verset 5, par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Et dans la lettre, c'était écrit, « Le bruit se répand parmi les nations. » Et Gachmu, c'est un nom. Je ne ferai pas de... Celui-là affirme que toi et les Juifs, vous pensez vous révolter. Vous voulez vous révolter contre les autorités. Vous ne voulez pas vous soumettre aux autorités, à ce que les autorités vous demandent. Vous conspirez contre les autorités parce que les autorités ou ceux qui ne voulaient pas, c'était à eux, c'était même pas les autorités parce qu'il y avait eu les papiers, les permissions de pouvoir rebâtir la muraille. En tout cas, c'est toute l'histoire, on l'expliquait un peu dans les derniers messages. Mais, et que c'est dans ce but que tu veux rebâtir la muraille, tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens, viens encore et consultons-nous ensemble. C'était de la pression. Il était persévérant. Il avait ça de bon. Il était persévérant, mais dans la mauvaise strac un peu. Viens, on va discuter. Cinquième fois. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a refait la même réponse, mais je fis répondre à Sambala, ce que tu dis n'est pas vrai. C'est toi qui l'inventes, de fausses rumeurs, de fausses informations, de la propagande qui n'est pas selon la vérité. Et on voit dans Néhémie 6, verset 9, Néhémie qui invoque son Dieu, c'est la partie la plus importante ce matin. La phrase la plus importante de notre message ce matin, on voit Néhémie qui invoque son Dieu pour qu'il vienne le fortifier au travers de toute cette pression, tout cet acharnement qui est là, toutes ces possibilités, ces questions, ces invitations, ces propositions qui ne viennent pas pour l'appuyer ou le pousser dans la voie de Dieu, mais plutôt le contraire. Mais il s'est mis à prier, demander à Dieu de le fortifier dans ces circonstances-là. Tous ces gens, verset 9, voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils vont perdre courage. Ils vont perdre courage et l'œuvre ne se fera pas. On va les décourager assez qu'ils vont vouloir abandonner et s'en retourner chez eux. On va les avoir à l'usure. Une prière, une petite phrase, « Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. » Petite prière. C'est la plus courte, je pense, qu'il a faite dans le texte qu'on a. Je n'ai pas vérifié toutes les prières, parce qu'il y en a plusieurs, où il a invoqué Dieu, s'est tourné vers Dieu. Mais celle-là est courte, mais tellement essentielle pour nous aussi. « Ô Dieu, fortifie-moi. » Devant toutes ces circonstances, là où je vois pas clair, je vois pas l'avenir, je connais pas l'avenir, viens me fortifier pour que je puisse avoir tout ce que j'ai besoin pour continuer ton œuvre avec persévérance, dans la bonne direction. La sagesse, discernement. Alléluia. Toujours dans le but de rester dans les voies de Dieu. Dans la lettre de Paul aux Colossiens, Dieu fait mention de l'œuvre de Dieu qui avance aussi, de l'Évangile qui se répand, les gens qui se convertissent et les gens grandissent. Ça fait beaucoup de mots d'un avant-midi, tout concentré. L'Église se bâtissait, l'œuvre avançait et Paul était encouragé de ce qu'il voyait. Mais on voit Paul qui prie pour ces gens-là, pour les chrétiens, pour qu'eux aussi soient puissamment fortifiés par la glorieuse puissance de Dieu. Et c'est là d'où est sorti le titre, plutôt, dans Colossiens 1:9. Il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est une bonne prière. Je la prie pour moi, je la prie pour vous, je la prie pour l'Église du Seigneur dans son ensemble de la ville. Qu'on soit remplis, Seigneur. Ce que je demande, c'est qu'on soit remplis de la connaissance de ta volonté en toute sagesse. Puis ce discernement, cette intelligence spirituelle, on doit prier ça constamment pour nos vies, nos familles,
l'Église, l'œuvre de Dieu, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Combien on a besoin d'être fortifié en Dieu par le Saint-Esprit pour marcher d'une manière digne du Seigneur. J'étais incapable de plaire à Dieu jusqu'au jour où je me suis converti. L'Esprit est venu pour changer mon cœur, mes pensées et me donner ce désir même de lui plaire parce que je n'avais pas ce désir avant que son Esprit vienne habiter en moi. Mais encore là, viens Seigneur, je prie pour vous afin que vous puissiez marcher d'une manière digne du Seigneur, de lui être entièrement agréable, d'avoir le désir de lui être agréable. C'est notre désir, oui, au travers de la louange, mais la vie, nos vies de tous les jours, de porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. C'est toute une prière. Je crois qu'on devrait l'afficher, cette prière, et prier ça pour votre pasteur à toutes les semaines. Mais prier pour les frères et sœurs aussi, pour qu'on puisse être rempli du Saint-Esprit, qu'on puisse avoir cette connaissance, vivre d'une manière digne, avoir le désir de lui être agréable et de porter du fruit, puis de croire dans la connaissance de Dieu. Bien sûr, on peut venir aux études le mercredi aussi pour avoir la connaissance de Dieu. On passe des bons temps, des bonnes applications aussi. On grandit. Mais le verset 11 nous dit « Fortifiés à tous égards, je prie pour eux afin qu'ils soient fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. » Persévérants et patients. C'est deux mots pas faciles. Hein? Persévérants et patients. Même pas un à la fois. On a toujours besoin de persévérance, de patience. Et quand on n'a pas de patience, Dieu l'exerce. Hein? Celui qui manque de patience la demande à Dieu. Je ne suis pas sûr que je lui demande souvent. Mais je sais que les événements font en sorte que la patience grandit en moi et la persévérance par sa grâce aussi. Fortifié à tous égards pour qu'on puisse avoir la force. Que le Seigneur puisse répondre à ma prière ce matin pour vous et à la prière pour moi aussi. C'est une prière que Paul a faite aussi pour les chrétiens d'Éphèse. Certains chrétiens d'Éphèse étaient découragés à cause de la persécution, des difficultés qu'ils vivaient, que Paul vivait particulièrement lorsqu'on lit cette lettre. Il y avait de la persécution dans le service et ce n'était pas le seul qui vivait ça. Les autorités qui n'étaient pas trop en faveur de l'Évangile qui se répandait, ça dérangeait beaucoup de gens, surtout les religieux. Mais dans Éphésiens 3, verset 12, il fait une autre prière où il dit, au verset 12, « Étant unis à lui par la foi en lui, lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, lorsqu'on croit, lorsqu'on est de nouveau, on est unis à lui. Lui en nous, nous en lui, et nous dans le Père. On est un en lui. Je serai en vous. On est unis à lui par la foi. Et nous avons la liberté, comme on le fait ce matin, de s'approcher de Dieu avec confiance. Pur et blanc comme neige, pardonné de tout péché, peu importe les péchés passés, peu importe les péchés de cette semaine, il est fidèle et juste de nous pardonner. Si on s'approche de lui, on lui demande pardon pour nos fautes. Mais il nous prend et nous donne cette liberté de nous approcher de lui avec assurance, d'avoir l'assurance de la vie éternelle aussi, que lorsqu'il va venir chercher son Église, on va en faire partie, l'assurance en lui. L'avez-vous l'assurance? Oui. Avez-vous l'assurance d'être pardonné, libéré? Oui. L'assurance de s'approcher de sa présence et de goûter sa présence. Merci Seigneur. Ainsi, je vous demande de ne pas perdre courage, frère. Hein? Il parle à des chrétiens. En pensant aux détresses que je connais dans mon service pour vous. Et il contribue à la gloire qui vous est destinée. Verset 14, « C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père. Et je demande au Père de m'aider à me relever, parce que mes genoux me font mal. » Mais sans se mettre à genoux, on prie. On n'est pas obligé de prendre la parole textuellement, de se mettre à genoux. Je sais, pour certains, c'est difficile, et pour moi, ça l'est de plus en plus, de me relever. Mais on prie lorsqu'on est devant le Seigneur avec cette assurance. « Seigneur, j'ai besoin. Seigneur,
J'ai besoin, je te prie, Seigneur. C'est pourquoi je me mets à genoux, dit Paul, devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, verset 16, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. On a besoin que l'esprit vienne nous donner la force, nous fortifier avec sa puissance. Je prie encore ce matin pour que vous puissiez être puissamment fortifié par son esprit à la mesure de ses glorieuses richesses. Seigneur, fortifie-nous. Fortifie-nous, Seigneur, pour cette semaine qui est devant nous. Fortifie-nous. On va faire face à toutes sortes de personnes, toutes sortes d'événements ou de possibilités ou des gens qui vont vouloir nous inviter d'une façon ou d'une autre. Seigneur, fortifie-nous pour qu'on prenne les bonnes décisions en toutes choses. Comme Néhémie, maintenant, oh Dieu, fortifie-moi pour persévérer, avoir la force, la sagesse, comme Néhémie, de continuer. Seigneur, je me mets à genoux encore une fois devant toi. Alléluia. D'être fortifié, verset 11, à tous égards par ta puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Comme la prière des disciples de Jésus, comme leur prière qu'ils ont faite lorsqu'ils étaient persécutés, ils sont réunis tous ensemble après que Jean, Pierre et Jean ont été relâchés suite à un emprisonnement, ont été battus. Ils ont été empêchés de témoigner ou de parler du nom de Jésus. D'annoncer la bonne nouvelle, ça ne plaît pas à tout le monde. Dans Acte 4, verset 17, où ils sont fait défendre de parler au nom de Jésus. Ils ne voulaient plus entendre parler de religion, comme parfois les gens nous disent, « Ta religion, j'en veux pas. La religion, parle-moi pas de ça. » Ou « Jésus, parle-moi pas de ça. » Mais c'était pire que ça. Il y avait une persécution qui était attachée à ça. Verset 17, « Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Et Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Verset 20, « Car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et le relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du miracle qui était arrivé. Le peuple glorifiait Dieu à cause d'un homme qui avait été complètement guéri. Guérison miraculeuse. Mais après les avoir relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Verset 24. Et lorsque les gens, les frères, tous ceux qui étaient réunis, ont entendu le résumé ou le récit de ce qui s'était passé, ça nous dit qu'ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, « Seigneur, on demandait à Dieu de les fortifier, ils sont présentés devant Dieu. » Premièrement, louant Dieu comme on le voit. Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre ton oint. Et à ce moment-là, il cite le psaume en parlant de David, il cite le psaume 2. Vous pouvez lire ce texte-là dans le psaume 2 qui est écrit plusieurs années, des centaines d'années avant, que Pierre prend pour appliquer à leur situation parce que c'est ce qui se passe. Le tumulte parmi les nations, est-ce que ce n'est pas ce qu'on vit? On pourrait appliquer ce passage à nos vies aussi aujourd'hui. Le tumulte parmi les nations, les vaines pensées parmi les peuples et les rois de la terre qui se sont soulevés les uns contre les autres. Et s'il y a un temps dans l'histoire où on voit le tumulte arriver, c'est bien là. Mais on sait que Dieu n'est pas dépassé, il connaît toutes choses. Mais il cite la grandeur de Dieu, il cite la parole de Dieu.
Il l'applique à leur situation. Et verset 27, « En effet, quand ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. » Malgré ce tumulte parmi les nations, malgré la persécution, malgré les gens qui étaient emprisonnés, les chrétiens persécutés, malgré le fait que beaucoup étaient découragés de ce qui se passait, même de l'œuvre de la croix, certains se posaient des questions face à ça jusqu'au jour où ils ont été remplis du Saint-Esprit. Mais il dit dans son passage que c'est tout ce que tu avais arrêté d'avance, que Dieu avait arrêté d'avance. Dieu sait ce qui se passe en Israël, en Palestine, au Liban. Dieu sait ce qui se passe. Il sait ce qui se passe. Et je sais qu'au travers de tout ça, Dieu a arrêté vraiment sa volonté. Sa volonté va s'accomplir. Peu importe la façon que ça va se faire, on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi tant de souffrances, pourquoi tant de blessés, de morts. Mais à quelque part, c'était pareil à l'époque où les chrétiens même étaient persécutés, mis à mort. Mais pour faire tout ça, pour faire ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance, la souveraineté de Dieu, la puissance de Dieu, celui qui connaît toutes choses, celui qui peut toutes choses. Et oui, il y en a des questionnements et des choses qui pourraient nous décourager, mais on doit garder foi en lui et au travers de tout ce qui se passe autour de nous, dans notre ville, mais dans le monde, trouver la sagesse de Dieu pour y faire face. Fortifie-nous, Seigneur, face à tout ça. Fortifie-nous, Seigneur, vois ce que je vis. Et les disciples disaient, verset 29, « Seigneur, vois ce qui arrive, vois ce qu'on subit, vois les menaces qu'on a et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance malgré les circonstances. » Ils ont commencé par louer le Dieu des cieux, se souvenir qui était le Dieu qui peut toutes choses au travers de leurs prières. Ils ont cité la parole, ils l'ont appliquée à leur vie. Ils ont exposé la situation. Regarde, vois, Seigneur, ce qui se passe, mais donne-nous ce qu'on a besoin. Donne-nous ce qu'on a besoin, Seigneur. Fortifie-nous. Étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et c'est ma prière ce matin pour nous, qu'on puisse voir sa gloire dans nos vies, que des gens viennent à lui parce qu'ils voient la gloire de Dieu. C'est ma prière pour Espoir et Vie aussi, que des gens rentrent dans ce lieu, vivent la guérison de l'âme, le salut de l'âme, la nouvelle naissance, et qu'ils puissent voir la puissance de Dieu, d'être puissamment fortifiés par sa puissance. Vois, Seigneur, bien sûr, quand on lit cette prière, ce cri du cœur des apôtres, on voit cette parole, le voit, ce que tu vois, Seigneur, vois ce que je vis. On peut l'appliquer à chacune de nos situations, à chacune de nos difficultés ou peu importe ce que l'on peut vivre. Seigneur, vois, Seigneur, mais donne-moi la hauteur de ce que j'ai besoin pour y faire face. Donne-moi ta grâce, fortifie-nous, ô Dieu. C'est ce que les disciples demandaient, d'être fortifiés au travers des difficultés. Ils n'ont même pas demandé, Seigneur, enlève tout ça pour qu'on puisse avoir la liberté d'eux. Non, donne-nous la force malgré tout d'être capable de continuer d'avancer dans tes voies, de confesser Christ, d'annoncer la bonne nouvelle, de continuer de construire la muraille, pierre, par la grâce de Dieu. C'est pareil pour nos vies. Seigneur, aide-nous maintenant, ô Dieu, fortifie-nous. On veut faire l'œuvre de Dieu, on veut voir ta gloire dans notre église, dans notre foyer, dans notre famille, ô Éternel. Fortifie les jeunes aussi. Dans les écoles, les jeunes de familles chrétiennes vivent des difficultés, ils font face à des propositions, de l'influence qui ne vient pas de Dieu au travers des gens qui les entourent. Les jeunes sont bombardés de toutes sortes de pensées, de propositions, d'invitations. Ils ont besoin de la sagesse de Dieu vis-à-vis de tout ça, mais aussi la persévérance, les convictions de prendre les bonnes décisions face à tout ce qui leur est proposé. Seigneur, donne de fortifier ces jeunes-là, et qu'ils vraiment soient une lumière plutôt qu'être ceux qui sont influencés. Seigneur, ta grâce face à toute la pression de ce monde, et la pression d'Internet aussi, tout ce qui est bombardé au travers de les réseaux sociaux. Seigneur, ta grâce fortifie ton peuple, fortifie les familles, fortifie les jeunes, Seigneur. Que chaque chrétien ait la force, la sagesse au travers de ça, le discernement, le courage, la détermination au travers de tout ça aussi.
face à toute cette pression. On en vit toute une pression. Et oui, il y a bien des choses qui peuvent même nous décourager, qui ouvrent une porte parfois à ce qu'on souhaite dévier ou que le doute vienne ou l'incrédulité. Fortifie-nous par la puissance de ton Saint-Esprit dans notre être intérieur. Notre force vient de lui. Notre force vient de lui. Sois rempli ce matin de son Esprit et que tu puisses puiser en lui la force que tu as besoin, être fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse ou éternelle. À la suite de notre passage, nous dit au verset 31, quand ils eurent prié dans ce lieu-là, tous ensemble, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance, remplis du Saint-Esprit, de cette force, fortifiés ce jour-là, à cet instant-là, pour pouvoir ressortir malgré les persécutions, pour aller annoncer la parole avec assurance, de faire face à leurs défis, de faire face à la pression du monde qui les entourait. Des gens qui étaient déjà nés de nouveau, déjà remplis du Saint-Esprit, mais qui dans Acte 4, deux chapitres plus loin que Acte 2, où ils ont reçu l'Esprit, avaient besoin encore de cette touche du Seigneur pour continuer à faire son œuvre et à marcher avec cette lumière-là où Dieu les avait placés. Seigneur, je veux être fortifié, je veux que ton peuple soit fortifié comme tes apôtres et qu'on puisse produire ces dons spirituels, dont cette force de prophétiser avec assurance la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur, en sorte que nous soyons toujours et avec joie persévérants et patients. Malgré les circonstances difficiles, on l'applique au témoignage, mais c'est pour tout notre vie chrétienne et les choix qu'on a à faire dans notre vie. Seigneur, on a besoin. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je lis des passages comme ça, je me dis, je veux, j'aspire aux capacités de l'Esprit de Dieu pour continuer ma vie chrétienne. J'aspire aux dons spirituels. Oui, à prophétiser avec force, comme c'était le cas des apôtres, mais les dons de puissance, les dons de connaissance, j'aspire aux dons spirituels. Et oui, aussi, le don des langues, le don de puissance, de sagesse, et peu importe les dons que Dieu nous donne, veut nous donner pour nous aider à marcher, à poursuivre dans son œuvre. Paul disait de rechercher avant tout l'amour, et c'est le plus important, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour nous, les uns pour les autres, son amour, de saisir son amour, mais aspirer en outre aux manifestations de l'Esprit, aux dons spirituels et surtout aux dons de prophétie comme les disciples demandaient. Donne-nous d'annoncer avec assurance. Bien des gens s'attribuent un titre de prophète, mais ces gens-là, les apôtres sont sortis, ont tout prophétisé de la part de Dieu, avec puissance par le Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, on veut voir les signes qui appuient le témoignage. On veut voir des guérisons, on veut voir ta puissance. On veut voir des âmes qui viennent à toi, convaincues par le Saint-Esprit, qui puissent naître de nouveau. Seigneur, on veut en voir, parce que c'est seulement par ton Esprit que tu peux pourvoir à leurs besoins de salut. Et dans la même lettre, et je termine très bientôt, dans la même lettre, 1 Corinthiens 4:20, le passage que je vous ai lu au tout début de la réunion, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et on doit aspirer plus, on doit aspirer plus, demander plus. Seigneur, fortifie-nous, ô Éternel. Alléluia. Et Romains 10, verset 17, un passage qu'on a vu plusieurs semaines aussi, qui nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on désire ou ce qu'on décide d'entendre, d'écouter, de croire. Parce que bien des voix, même celle de la chair qui se fait entendre, celle de la religion, des raisonnements humains face à la puissance de Dieu, face au don de Dieu, face à toutes choses, défis ou peu importe, des voix qui se font entendre. Mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on désire entendre, ce qu'on choisit d'entendre, c'est ce qui vient de la parole de Dieu, la vérité sur la puissance de Dieu, sur les dons de Dieu, sur le Saint-Esprit de Dieu aussi. On va prier. On va prier tous ensemble. Seigneur, fortifie ton peuple. Il y en a qui vont se dire qu'on a la vie facile, c'est pas si difficile que ça dans ce monde. C'est sûr qu'il faut juste regarder un petit peu plus loin. Si ça va bien dans nos vies, gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Prions pour que Dieu fortifie des gens qui en ont le plus besoin, peut-être. Mais moi, je prie que Dieu me fortifie, me remplisse, me visite, afin que je puisse avoir encore plus la force de continuer à faire son œuvre et me lever dimanche après dimanche pour venir prêcher la parole de Dieu. Seigneur, ta force, Seigneur, ton esprit, Seigneur, la révélation, sagesse, discernement, Seigneur. J'ai besoin. Mais mon peuple, ton peuple, Seigneur, ton peuple a besoin, ô Éternel. L'Église a besoin aussi. Chaque personne a besoin de toi, ô Éternel. Révèle-toi encore, Seigneur. Encore plus, Seigneur, aux gens ce matin, par ton Saint-Esprit. Vois le cœur de ceux qui crient à toi, qui disent, Seigneur, fortifie-moi. Vois ceux, Seigneur, qui crient à toi, fortifie-moi. Comme Néhémie, comme les apôtres face aux défis qui étaient devant eux, la persécution face à toutes sortes de problèmes, face au découragement, comme Paul priait pour les chrétiens parce qu'ils semblaient se décourager. Seigneur, fortifie ton peuple, fortifie tes enfants, fortifie celui qui crie à toi ce matin. Sauve celui qui a besoin d'être sauvé, qu'il puisse avoir cette assurance en toi, Seigneur. Oui, Éternel, que chacun s'ouvre à recevoir ce qu'il a besoin de toi et que chaque jour, il puisse se tourner vers toi et demander ton aide, Seigneur, au travers de tous les défis qu'il rencontre, ô Dieu, au travers de toutes les décisions qu'il a à prendre, Seigneur, parce que toi, tu es celui qui connaît toutes choses, que ta parole nous transmette la sagesse qu'on a besoin, Seigneur, en toutes circonstances, mais que ton Saint-Esprit nous aide pour les choses qu'on ne connaît pas, Seigneur, qu'on ne sait pas d'avance, Seigneur, comme Néhémie, ne savait pas toutes choses, mais que toi, tu le conduisais, tu lui accordais sagesse. Seigneur, que ton Saint-Esprit remplisse ton peuple et que vraiment chaque personne puisse opérer même au travers les dons spirituels, Seigneur, comme tu le désires. Que chaque personne puisse commencer par aspirer aux dons spirituels, aspirer à recevoir d'en haut, aspirer même à parler en d'autres langues, et pourquoi pas, Seigneur, ô Éternel, aspirer à avoir cette assurance pour prophétiser, ô Dieu. Alléluia, Éternel, l'assurance d'imposer les mains aux malades et que les malades soient guéris, ô Dieu. L'assurance, Seigneur, cette sagesse qui vient d'en haut, ô Dieu. Ô Père. Père, bénis ton Église, bénis tes enfants ce matin, Seigneur. Alléluia. On veut te donner tout l'honneur et la gloire qui t'est due encore une fois, ô Éternel. On veut avancer dans la foi, Seigneur. Vois, Seigneur, tout ce que tes enfants vivent, peu importe la situation grave ou moins grave, Seigneur, et donne à tes serviteurs de pouvoir continuer avec assurance, avec discernement et sagesse. Seigneur, ton esprit ce matin. Viens transformer les raisonnements, Seigneur. Viens changer les pensées. C'est celui qui est peut-être abattu, celui qui est triste, Seigneur, celui qui a besoin que son cœur soit guéri, ses pensées renouvelées. Viens, Seigneur, par ton esprit, ô Éternel. Alléluia. Alléluia. Viens, Seigneur. Alléluia. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, on a tellement besoin de toi, Seigneur. Donne-nous la force qu'on a besoin. Ô Éternel, peut-être des gens ont des décisions importantes à prendre cette semaine. Que tu sois leur sagesse. Conduis-les, Seigneur. Ô Éternel, peut-être des gens luttent avec certains aspects de leur vie. Que tu puisses être leur force, Seigneur. C'est toi qui brises les chaînes. Ô Éternel, peut-être des gens luttent avec la maladie, que tu puisses guérir, Seigneur. Tu es un Dieu de puissance. Alléluia. Qu'on puisse vivre le fruit du royaume de Dieu au milieu de nous maintenant, ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu sauves, tu guéris. Tu relèves celui qui est abattu, ô Éternel. Tu donnes la victoire à celui qui a besoin de victoire dans sa vie, Seigneur, face à n'importe quelle dépendance, ô Dieu. Merci que tu es celui qui renouvelle. Je veux te donner toute l'honneur, toute la gloire qui te revient, Dieu puissant, Dieu grand. Alléluia. Et dire merci encore une fois pour toutes choses, Père. Amen. Je suis né.